En se promenant dans les rues de Bordeaux un soir où il faisait très chaud et où les fenêtres étaient ouvertes pour respirer. Et puis voilà, on a commencé, on a fait les curieux, on a mis nos nez par les fenêtres ouvertes, on a regardé ce qui se passait à l'intérieur. Et puis voilà, on s'est aperçu que ça racontait énormément de choses. Enfin, nos intérieurs et notre vie privée racontaient beaucoup de nous, de la condition humaine. Et du coup, on s'est dit, tiens, un jour, il faudrait en faire un spectacle. Ça, les spectateurs se promèneraient et regarderaient de fenêtre en fenêtre, aliraient de maison en maison et à chaque fois découvrir des tranches de vie. Et puis... Attends, je vais regarder. Ouais, là, parce que tu vois, j'ai pas trouvé la bonne crème encore. Non, mais ça va mieux quand même. Ah ouais? Ah bah oui, parce que là, la plaque, elle s'étendait jusque-là. Quand est-ce qu'on en avait mis la dernière fois? Et puis, en même temps, voilà, ce bourg, il a un charme particulier. Il y a à la fois des grandes rues, il y a à la fois des petites ruelles, il y a à la fois des petits passages, des venelles entre les jardins. Et voilà, on s'était dit que ça serait aussi un bel endroit pour faire se promener les spectateurs. Et le gamin, il t'ouvre de nouveaux horizons, quoi. Enfin, tu vois, je formule la théorie de ton exemple. Quel âge il a, votre gamin? On sait pas? Pas déterminé. Il a 6-8 ans, quoi. 6-8 ans. Le bateau, là, je l'ai acheté pour le gamin. Avec ça, on va fondre la bise, on va s'ouvrir d'autres horizons avec ça, mon pote. Ouais. Ça.